Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Maxence. Bonjour Adèle. Le marché des céréales connaît une forte volatilité depuis plusieurs jours. Quelles en sont les raisons? Alors oui, effectivement, la volatilité est revenue sur les marchés agricoles depuis quelques semaines avec des mouvements de baisse mais également de hausse plus récemment. Pour comprendre un petit peu tout ce contexte instable, il faut évidemment parler de plusieurs facteurs, mais on va principalement se tourner vers la macroéconomie qui a été un facteur important de la baisse des marchés il y a maintenant une quinzaine de jours. Pour bien comprendre, il faut bien sûr évoquer cette situation sur les craintes financières et bancaires à l'échelle mondiale, avec les différentes craintes de faillite aux États-Unis avec la SVB, mais également en Europe avec le Crédit Suisse. Tout ce contexte un petit peu morose a bien sûr rappelé les pires souvenirs aux opérateurs financiers lors de la crise des subprimes en 2008. Donc, suite à ça, on a eu un mouvement de panique de la part de tous les opérateurs, que ce soit opérateurs financiers ou opérateurs sur le marché physique. Et c'est pour cela qu'on a observé cette baisse des prix qui, désormais, s'efface peu à peu, puisqu'on revient sur des niveaux à peu près équivalents à ceux d'il y a 15 jours, notamment sur Euronext. Alors, on voit aussi le retour de la Russie sur le devant de la scène concernant le marché des grains. Quelles en sont les raisons? Effectivement, Adèle, oui, la Russie revient au centre du jeu. Elle attire désormais toutes les attentions, comme ça a pu être le cas depuis maintenant plusieurs mois, mais encore plus récemment, avec notamment plusieurs annonces du gouvernement liées à la chute des prix localement et à la chute des prix payés aux agriculteurs et aux producteurs. Il faut rappeler que la récolte record en Russie et les disponibilités dans le pays également record vont induire bien sûr des stocks de report très importants pour la prochaine campagne qui font donc chuter les prix. Les producteurs se retrouvent maintenant à vendre leurs marchandises sur des niveaux inférieurs à leurs coûts de production. Et ça a amené le gouvernement à faire une annonce tout récemment qui est de porter le fonds d'intervention de 3 millions de tonnes à 10 millions de tonnes pour les céréales. C'est-à-dire que l'État va se porter acheteur de volume à hauteur de 7 millions de tonnes supplémentaires par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année dernière, ce qui fait potentiellement 7 millions de tonnes de stocks de report qui ne sont pas disponibles à l'export et sur le marché mondial. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ce sont les conseils portés par le gouvernement aux exportateurs de mettre en place un prix plancher à l'exportation pour le blé russe, pour ainsi stopper l'hémorragie des prix localement. Donc ça, c'est deux annonces qui ont été faites par le gouvernement, qui portent à confusion, qui ne sont pas encore actées, mais qui ont, en tout cas entretiennent le doute sur le marché mondial du blé. Autre élément, et pas des moindres, c'est la situation avec les grands exportateurs et les grands négoces internationaux qui opèrent en Russie, puisque on a écho d'une situation un petit peu compliqué où les exportateurs et les négoces internationaux pourraient un petit peu réduire leur activité sur le portuaire russe. Donc tous ces éléments et tout ce contexte entretiennent l'incertitude et peuvent également exacerber les marchés, notamment après la vague de baisse qu'on a eue tout récemment. On a vu aussi le marché du maïs qui a beaucoup bougé ces derniers temps. Quels sont les facteurs importants à prendre en compte sur ce marché? Oui, effectivement, Adèle, le marché du maïs, il est particulièrement tendu à très court terme, et notamment d'ici le mois de juillet et août, avec l'arrivée des récoltes au Brésil. D'ici là, vous l'aurez compris, le marché est plutôt restreint, avec un commerce mondial qui doit s'afficher en repli par rapport à d'habitude, puisque l'Argentine, l'Europe et les États-Unis ont connu des sécheresses plutôt marqué au moment du développement du maïs, qui ont ainsi décimé les productions. En Argentine notamment, la récente sécheresse a décimé de plus de 20 millions de tonnes la production par rapport à ce qui était estimé au moment des semis. Donc, on se retrouve avec une situation tendue à très court terme. Dans le même temps, on a des achats chinois, notamment pour le maïs américain, qui entretiennent cette fermeté et cette tension, alors que les stocks de maïs américain projetés pour les stocks de report de la prochaine récolte sont déjà sur des niveaux assez faibles comparés à ce qu'on avait ces dernières années. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il va falloir, pour compenser ces bilans tendus, notamment aux États-Unis, que les agriculteurs sèment plus de maïs au détriment du soja dans les semaines qui vont venir. Pour cela, il va falloir regarder attentivement le rapport USDA de ce vendredi 31 mars qui fera état des premières intentions de semis sur la Corn Belt et aux États-Unis.
Voilà. Les opérateurs s'attendent pour le moment à des surfaces en hausse par rapport à l'année dernière en ce qui concerne le maïs, mais il serait important d'avoir des surfaces qui ne déçoivent pas lors du rapport pour permettre au marché de se détendre et d'avoir des bilans bien plus confortables pour la prochaine récolte. Pour le moment, l'incertitude persiste et le marché prend en compte eh bien, la tension à très court terme avec le retour de la Chine aux achats. Pour finir, Maxence, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Eh bien, oui, on vient de voir à travers ce tour d'horizon que sur le marché des céréales, on a beaucoup d'éléments d'incertitude, que ce soit des incertitudes au niveau macroéconomique, donc à savoir la finance, bien sûr, et l'économie mondiale. On a également des éléments d'incertitude eh bien, au niveau des productions, au niveau des flux. Tout ça dans un contexte où eh bien, la nervosité est de retour sur les marchés, dans un contexte où la volatilité est également de retour. Et tout cela à la veille de la période de weather market, la période où les éléments climatiques eh bien, vont avoir un impact direct sur les productions et également sur les marchés. Donc dans ce contexte, le conseil d'Agritel pour les producteurs, au regard de toutes les charges qui ont été engagées pour la prochaine récolte, eh bien, c'est de connaître bien évidemment ses coûts de production et de ne pas hésiter à débuter les ventes dans le cas où le prix de vente eh bien, est supérieur évidemment au coût de production. Merci Maxence, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.